Salut tout le monde, c'est Rosaliane pour Narcity. Aujourd'hui, je vous amène avec moi parce qu'on s'en va faire 1 heure et quart de route. On s'en va manger ensemble au Petit Pousset à Val-David. Mais juste avant, je m'en vais chercher mon amie parce que je trouve que ça fait un peu loser aller manger toute seule dans les Laurentides. Alors ici, on a l'érable chino. On va goûter ça. Après, je veux comme pas défaire. Goûter la bouche. Ok, ouais, c'est bon. Vraiment. L'affaire, c'est qu'il faut mélanger. Le moment où tu demandes si tu vas être capable de tout manger ça. On avait peur de manquer, donc j'ai commandé une crêpe de plus, puis le gars. Tu nous présentes ton déjeuner? C'est le trappeur, je crois. Le trappeur, oui, c'est le trappeur. Et un pain doré. Elle m'a demandé si j'en voulais un ou deux. Une chance que j'en ai pris juste. Puis c'est ça, parce que ici, en fait, leur spécialité, c'est que le jambon est fumé. On avait le choix aussi de crème d'érable ou de sirop d'érable. Puis comme vous pouvez voir, on a pris les deux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis un chandail pour fitter dans le décor. Nous, c'était pas de la compétition. Mais en faut plus. C'est hot parce que la crème, je sais pas si t'as goûté, ah ouais, t'as goûté. Ouais. C'est pas trop sucré. Non. C'est juste assez. Ouais, j'aime vraiment ça. Mettons dans la vie que t'aimes vraiment Noël, ben si tu viens ici, c'est vraiment un bon moyen d'être nostalgique. Parce que quand t'as fini de manger, tu te sens absolument comme le 1er janvier. Ok, regardez la surprise qu'on a eue. Yes. Ils font la tire à l'érable à l'année. Elle, tout est génial. C'est toute qu'une ligne. Hein? Oh. Faut pas trop attendre. Je venais de penser que j'avais plus vraiment faim. Ça vaut le détour. Et disons qu'on a vraiment apprécié les produits. Ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi en acheter dans leur petite boutique qui est juste à côté.